ثلاثة بقى ولا ثلاثة؟ ياي السلام عليكم. السلام عليكم. أجوب. وعليكم السلام ورحمة الله. شكراً. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va commencer le cours, un cours assez important concernant les fractures de l'humérus distal ou extrémité inférieure de l'humérus. Cette pathologie est assez importante. Il faut retenir une chose d'avance, que pour mieux comprendre ce cours, il y a une seule complication possible, la plus grave, c'est la raideur. Qui a compris la raideur a compris que l'ensemble du cours est basé sur ça, et on comprendra, Inch'Allah, la suite après. La définition, on entend par fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus les fractures qui siègent au-dessus de l'insertion distale du muscle brachial. Vous savez qu'au niveau du bras, il y a le biceps et le brachial antérieur. Le brachial antérieur qui s'insère sur l'humérus. Et la partie distale de cette insertion va limiter la définition de ces fractures. Un petit rappel sur l'ostéologie de l'extrémité inférieure de l'humérus. Il s'agit de la partie articulaire de l'épiphyse composée en dehors du corps.
Allô, allô. Vous m'entendez, oui ou non? Oui, on vous entend, docteur. Vous écoutez, vous entendez très bien? Vous voyez le diaporama? Oui. Et on continue? تنجموا تهضروا معايا لما تسمعونيش انا ما نسمعكمش qu'est-ce que vous voyez في l'écran on vous entend maintenant docteur on vous entend d'accord mais on est arrivé aux fractures supracondyliennes de l'enfant non on n'a rien vu dès le début vous n'avez rien entendu dès le début parce que je ne sais pas là, là, ça s'est coupé on reprend le loul d'accord oui. Ok, ça va nous prendre du temps. Allez, on va reprendre la classification. D'accord? Alors, la classification chez l'adulte des fractures totales, ce sont les fractures qui séparent totalement la diaphyse de l'épiphyse. Et l'épiphyse reste intègre. Et les fractures sus et intercondyliennes, c'est lorsque le trait, il y a un trait au niveau de la région intercondylienne. Voici le schéma, vous voyez la fracture supracondylienne, où là, l'épiphyse elle est intègre, et la fracture sus et intercondylienne, où le trait traverse l'épiphyse. Les fractures supracondylienne représentent 15 à 20%. L'anatomie, c'est surtout essentiellement qui fait... pose problème, c'est le trait supracondylien. Il peut être simple ou comminutif. Donc, ça va poser un problème dans le traitement, surtout lorsqu'il y a une comminution. Il y a deux types de fractures particulières. Lorsque le trait est haut vient de la diaphyse, on parle de la fracture supracondylienne de l'eucèstre. Et lorsque le trait est très bas, il va séparer que la partie cartilagineuse, le condyle et la trochlée, c'est la fracture diacondylienne de Cocher entre les deux condyles. Voici deux exemples de fractures diaphyso-métaphysaires de l'eucèstre. Le deuxième groupe des fractures totales, ce sont les fractures sus et intercondyliennes. La différence entre les premières, c'est que la partie épiphysaire va être traversée par un trait qui est articulaire qui va toucher le cartilage articulaire. Le trait suscondylien est de siège variable, comme pour la fracture supracondylienne, et le trait intercondylien arrive toujours dans la partie moyenne de la trochlée. Ce sont les fractures les plus fréquentes de la fracture de la palette humérale chez l'adulte. Le mécanisme il est le même, c'est toujours le cubitus proximal qui va fracturer la chute sur la que ce soit la chute coude en extension ou en flexion. Voici l'anatomie de ces fractures sus et intercondyliennes, le trait classique. Elles sont classées en fonction, bien sûr, du déplacement du fracture métaphysaire, pas du trait supracondylien. Et ce trait métaphysaire va entraîner des déplacements, et en fonction des déplacements des deux fragments intercondyliens, on va les classer en trois groupes. S'il n'y a pas de déplacement, c'est un groupe 1. S'il y a une séparation, c'est-à-dire dans le plan frontal, il y a une séparation, c'est le type 2. S'il y a une rotation d'un des fragments, c'est un type 3. Ça pose problème dans la réduction. Et si la fracture est commutative au niveau de l'épiphyse, on parle du groupe 4. Voici un type 3, vous voyez le condyle médial, il est de face, et le condyle latéral, il est en rotation. C'est un groupe 3.
Bien sûr, comme pour les fractures suspondyliennes, lorsque le trait vient de très haut, on parle de fracture diaphyso-épiphysaire ou diaphyso-métaphyso-épiphysaire. Voilà, la réunion se termine dans 10 minutes. Et lorsque le trait est bas, comme dans la fracture diacondylienne de Crochet, le fragment articulaire est séparé en deux. On a une fracture à quatre fragments. C'est la fracture diacolumnaire. Le deuxième groupe de fractures, ce sont les fractures parcellaires. C'est-à-dire, elles sont parcellaires parce qu'une partie de l'épiphyse reste en continuité avec la diaphyse. Donc, on a un repère important entre la diaphyse et l'épiphyse. C'est plus facile à prendre en charge. Il y a trois groupes de fractures. Les fractures sagittales ou des condyles, les fractures purement articulaires, donc qui touchent la partie cartilagineuse, et les fractures parcellaires extra-articulaires qui laissent le cartilage intègre. Voici les fractures sagittales, il y en a deux, une externe, une interne, une médiale, une latérale, donc condyle latéral, condyle médial ou fracture sagittale latérale ou médiale. Celle externe est moins fréquente que l'interne. Les fractures purement articulaires, il y en a trois. Celle qui touche le capitellum, c'est-à-dire c'est la partie cartilagineuse médiale et latérale, la trochlée étant intègre. Souvent, cette fracture passe inaperçue et le patient vient vous voir à la consultation un mois après avec une raideur du coude. Et vous faites une radio, vous trouvez le condyle fracturé avec du calme. Les autres fractures, ce sont la fracture de Hamstein-Toll où il y a le condyle médial, le condyle qui est touché avec une partie de la trochlée. Et le troisième type, c'est la fracture de la trochlée totale qui est exceptionnelle. Deux cas ont été détruits, dont un à Nemba. Les fractures de l'épic extra-articulaire pure, ce sont celles qui touchent l'épicondyle et l'épitrochlée. Le seul problème dans la fracture de l'épitrochlée, c'est parfois elle peut s'incarcérer. La fracture de l'épicondyle, elle est exceptionnelle et souvent rare, rarement seule. Chez l'enfant, il y a trois types fréquents. Bien sûr, il y a tous les types de fractures comme l'adulte, mais il y a trois types fréquents. À la naissance, j'ai dit au départ que toute l'épiphyse était cartilagineuse, on ne la voit pas. Et lors d'un accouchement difficile, souvent, il y a une fracture totale, un décollement total. Mais dès qu'apparaît les noyaux d'ossification, il y a trois types de fractures. C'est la fracture supracondylienne, c'est la plus fréquente, 96% de mécanisme en extension, chute de la propre hauteur, coude en extension. Le trait est siège variable, un niveau variable, mais généralement il est unique. Le classement ne se fait pas en fonction du déplacement dans le plan, les trois plans de l'espace, mais plutôt dans le déplacement comme l'a proposé Marion et collaborateur. Soit au stade 1, il n'y a pas de déplacement, très très peu de déplacement. Au stade 2, les dos corticales sont touchées avec un déplacement nul ou minime. Au stade 3, il y a un déplacement important mais il persiste un contact. Et le stade 4, il n'y a plus de contact entre les deux fragments. La fracture du condyle externe, c'est un décollement type 4. Elle est exceptionnelle chez l'adulte, mais elle est fréquente chez l'enfant. Une fracture assez grave puisqu'elle touche le cartilage de croissance. Il y a trois stades, un déplacement nul ou discret, un déplacement avec translation, un déplacement avec une rotation qui peut aller jusqu'à 180 degrés et le type 4, c'est une luxation du coude associé. La fracture, elle passe inaperçue pour la simple raison qu'il y a un hématome important, comme ici, vous ne la voyez pas, mais le trait, il est ici, et on le voit. Voici les trois types, les quatre types. Un type 2, un type 3 et un type 4. La radiographie est toujours floue à cause tout simplement de l'hématome qui est important. Et vous savez, l'hématome, il y a du fer et il perturbe
radiographie et le trait de fracture. La fracture de l'épitrochlée, elle est assez grave lorsque, souvent on ne la voit pas, il y a une incarcération dans l'articulation. Type 1, c'est un déplacement non important. Type 2, elle se déplace vers le bas. Le type 4, c'est l'incarcération. Et le type 3, c'est l'incarcération. Et le type 4, c'est la luxation associée. Là, c'est un type 1, pas de déplacement. Un type 2, déplacement vers le bas. Un type 4, incarcération articulaire. Et un type 3, incarcération dans l'articulation. Un type 4, elle est là. Il y a une luxation du coude associée. Les fractures rares sont surtout chez l'adolescent, le grand garçon plutôt, pour ne pas parler d'adolescent. Et elles ressemblent à celles de l'adulte. Le décollement en masse chez l'enfant, il ressemble, chez le nouveau-né, il ressemble à une luxation du coude, mais en fin de compte, vous voyez ici, après quelques jours, il y a un cale osseux qui montre qu'il n'y a pas de luxation, c'est le déplacement de la partie proximal qui fait que ça donne l'impression que c'est une luxation. Donc, grosso modo, pour récapituler, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, le temps s'est écoulé rapidement, deux grands groupes de fractures, les fractures totales et les fractures partielles. Les fractures totales, il y a deux groupes, les fractures supracondyliennes qui permet à l'épiphyse de rester intègre. Et les fractures sucio-intercondyliennes, là, l'épiphyse est fracturée. Dans les sucio-intercondyliennes, c'est le déplacement des fragments épiphysaires qui pose problème. S'il n'y a pas de déplacement, c'est un groupe 1. S'il y a un déplacement dans le plan frontal, un groupe 2. S'il y a une rotation des fragments, un groupe 3. Et s'il y a une combinaison, un groupe 4. Les fractures parcellaires, la définition même, c'est lorsqu'ils permettent une partie de l'épiphyse reste liée à la diaphyse. Donc, il y a les fractures sagittales, internes ou externes. Les fractures articulaires pures, il y en a trois. Le condyle externe, la fracture de Hahn qui emporte le condyle et une partie de la trochlée, la fracture de la trochlée. Et bien sûr, on peut ajouter à ce groupe les fractures diacolumnaires de Cocher. Chez l'enfant, il y a trois groupes de fractures essentielles. La fracture supracondylienne, qui ressemble à l'adulte, mais elle est plus fréquente. La fracture du condyle externe, qui est moins fréquente chez l'adulte, mais elle est fréquente chez l'enfant. Et la fracture de l'épitrochlée. Tous les autres types de fractures peuvent exister chez l'enfant. Alors, la clinique est simple. Pour tous, c'est la même chose. C'est un œdème du coude important et une impotence fonctionnelle. Donc, quel est le rôle du clinicien? C'est surtout rechercher s'il y a des lésions cutanées, des lésions nerveuses, des lésions vasculaires. Et bien sûr, s'il y a association d'un traumatisme au niveau du même membre ou ailleurs. La radiologie, elle est importante, elle permet le diagnostic. La seule chose, les clichés de face et de profil sont difficiles à faire. Souvent, lorsqu'on prend une décision chirurgicale, lorsque l'enfant est endormi, on refait les clichés. Conclusion, le type de fracture est déterminé en fonction du siège, de la direction du trait et le déplacement des fragments. Les lésions associées, elles imposeront moindre doute de compléter et de prendre les investigations, surtout vasculaires et nerveuses. Et le choix des traitements, il dépendra pour une large partie de la qualité de ce bilan radiographique. Alors, la consolidation, c'est des fractures qui consolident très, très rapidement, bien sûr. Alors, au deuxième mois, vous avez pas une consolidation totale, puisque la consolidation nécessite 100 jours, mais vous pouvez dire qu'elle est consolidée ou pas entre 45 et 60 jours. Les complications, il y a plusieurs types. Les lésions associées lors du traumatisme, surtout l'ouverture cutanée, vasculaire, surtout l'artère humérale et nerveuse, le nerf cubital. Les traumatismes étagés, il faut toujours les chercher. Les complications à distance lorsqu'il s'agit d'un polytraumatisme. L'évolution, vous pouvez avoir des paralysies suite à un traitement orthopédique ou suite à un traitement chirurgical. Le sepsis, il aggrave ce genre de lésion lorsque la fracture est ouverte ou lorsqu'on fait un traitement chirurgical.
La pseudarthrose, j'ai dit au départ qu'elle est exceptionnelle, mais elle peut exister surtout chez l'adulte sujet à l'ostéoporose. C'est l'enfant, c'est l'épitrochlée.